mois après l'atelier bilan des activités réalisées en 2020 et la programmation 2021 à Bamako, le programme Enabel vient de tenir son premier comité de pilotage de l'année 2021 du 9 au 10 mars à Koulikoro. Plus d'une trentaine d'acteurs du programme et des partenaires régionaux et nationaux ont pris part à la rencontre. C'est habituel pour le programme de tenir deux fois par an un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage est sous la direction du gouverneur de la région de Koulikoro qui assure la présidence. Et la coprésidence est assurée par le représentant résident de Enabel au Mali. Ce comité de pilotage est un espace capital qui permet d'informer les membres de ce comité de pilotage sur l'état d'avancement des résultats obtenus l'année écoulée, donc en 2020. Et faire un état des lieux de la programmation opérationnelle et financière pour l'année 2021 du programme bilatéral. Le gouverneur de la région de Koulikoro, président du comité de pilotage, a apprécié les résultats acquis en 2020. Des activités qui se sont déroulées dans des conditions particulières, notamment l'impact du COVID-19. En effet, l'année dernière a été une année de croisière dans la mise en œuvre du programme bilatéral Mali-Belgique. Des résultats tangibles ont été enregistrés en matière d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, du renforcement de l'élevage et de l'économie pastorale, de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition et du renforcement des capacités. Je profite de cette occasion qui m'est ainsi offerte pour remercier toutes les parties prenantes à la mise en œuvre des différents projets pour la qualité des résultats ainsi obtenus, tout en leur demandant davantage de redoubler d'efforts dans ce sens en 2021. Le représentant et résident d'Enabel, co-président du comité, quant à lui, a souligné la synergie d'action entre le programme Enabel et les partenaires qui a abouti à la concrétisation des résultats acquis. Le programme qu'on exécute ici avec vous, il couvre l'eau potable, la formation, le renforcement de capacités, société civile, sécurité alimentaire, pasteurs, éleveurs, producteurs, hommes, femmes, services de l'État, services déconcentrés. On est un peu partout avec un peu tout le monde et on est ensemble. Durant les deux jours de travaux, les acteurs ont été soumis à des exercices relatifs à la présentation des activités. Du programme bilatéral qui comporte quatre interventions, l'intervention renforcement des capacités, l'intervention accès à l'eau potable et le programme sectoriel qui comporte deux interventions, une intervention élevage et une autre intervention sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour l'année 2020, en termes d'exécution budgétaire, exécution financière, c'est-à-dire tous les volumes financiers qui étaient prévus et ce qui a été réalisé, on est à 67%. Par contre, pour cette année, c'est-à-dire l'année 2021, on a prévu environ 35% du budget global du programme bilatéral qui devrait être exécuté cette année 2021. Les partenaires ont manifesté leur satisfaction à la sortie des deux jours de travaux. L'activité s'est bien déroulée, on a eu des échanges fructueux et il y a eu des recommandations aussi. On a décidé vraiment de bonnes choses. Chaque intervention de la coopération a été présentée avec une très grande clarté. Alors, nous avons compris qu'ils sont en train d'intervenir dans plusieurs domaines de développement local. Nous sollicitons que ces interventions continuent et que les bénéficiaires, qui sont d'abord les collectivités, ainsi que la société civile, les soutiennent. Bon, ce qui nous a été présenté pendant les deux jours, programme par programme, vraiment une voie droite et au cœur, et je suis très très optimiste par rapport à la mise en œuvre de ces différents programmes et à terme. Au sorti de cet atelier, les participants sont sur la même longueur d'onde. Tous les programmes ont fait l'objet d'acclamations sans problème.